Et re tout le monde, du coup, on se retrouve pour l'épisode 5 de Resident Evil 8. Donc, on venait tout juste de poser ce petit truc cubique. Donc, il nous en manque 3. On avait des petites images bien sympathiques de la fameuse mère Miranda, qui avait l'air tout l'air d'une petite humaine quand même. Donc, maintenant, on a notre volant. Que faire de plus? Et bah, c'est une bonne question. Mais ils disent trouver la maison avec la cheminée rouge, mais là on est d'accord, c'est clairement une cheminée rouge. Et en plus de ça, bah, il y a de la fumée qui sort, donc il y a de l'activité dedans. Mais du coup, elle est où la porte? En fait, quand je vais là-bas, il y a une porte, mais il y a rien qui s'ouvre. Là, elle est là la porte. Pourquoi ça s'ouvre pas? C'est hyper chiant. Ah, oh, c'est bien ça. Une échelle, ça c'est bien. Donc là, il y a une putain de cheminée rouge. Donc c'est ici. Ah. Ok, donc le gars était possédé. Un possédé. Si, c'est possédé un peu. Déverrouiller. Comme ça, c'est fait. Donc là, je suis au bon endroit, ça c'est sûr. Deux chèvres ont été sacrifiées pour Mère Miranda. Intéressant. Ok, donc là, ils ont expliqué un petit peu ben, mon gosse, hein, qu'ils ont cristallisé et puis qu'ont mis dans quatre bocaux différents, du coup. Du coup, mon gosse est réparti en quatre bocaux, c'est magnifique. Et en fait, chaque bocaux, bah, c'est un. Allez, c'est réparti selon les boss. Donc, à mon avis, t'as le gars avec sa masque, on a une. La sorte de poupée, qu'on a une autre. Et le sorte de sanglier, de monstre dégueulasse, chelou, là. Qui doit avoir la troisième, du coup. Là, on a des clés dans tous les sens. Trois pièces sont nécessaires pour rendre à la clé elle est sa forme complète. Ah, d'accord! C'est que je peux pas ouvrir parce que j'ai. Du coup, moi, je dois avoir la clé à droite. Et il me faut des petits composants à côté. Ok. Interagir. C'est-à-dire quoi? Ah! Je dois retourner voir le duc. D'accord. Donc il m'a donné une autre partie de clé. Et du coup là maintenant faut trouver un bébé fœtus pour la foutre dans ma clé pour ouvrir toutes les portes. Bon, moi, on va voir le duc. Petit duc. Alors, avez-vous appris quelque chose? J'ai trouvé ça. Maintenant dites-moi ce que je dois faire, comme promis. Calmez-vous. Vous devez utiliser cette clé et récupérer tous les bocaux contenant votre petite rose. Où est-ce qu'il se trouve? Il y en a 4 au total. Vous en avez un, les autres nobles ont le reste. Voilà. Noble. Mère Miranda est la femme froide et calculatrice qui règne sur ce village. 4 nobles sont sous ses ordres. La première, vous la connaissez, c'est Dame Dimitrescu. La deuxième vit au fin fond d'une vallée brumeuse. Son nom est Donna Beneviento, elle fabrique des poupées. Ok. Aucun de ses camarades de jeu n'est jamais revenu de cette vieille bâtisse humide. Et donc là, je vais y aller, du coup. Le troisième est Moro, un être difforme qui vit dans le lac artificiel au-delà des moulins. Ok.
On dit que ce ne serait pas le seul monstre à habiter ces eaux. Le quatrième et le plus dangereux, c'est Heisenberg. Il travaille dans son usine aux abords du village. Oh oui. Ce qu'il y fait, disons que certaines zones de l'imagination humaine méritent de rester enfouies. Lui, c'est le boss des boss, quoi. Oh putain! Ah oui, d'accord. Putain, il m'a mis tout d'un coup, l'enfoiré. D'accord. Donc là, on a le troll chelou. Beneviento. Donc ça, c'est la poupée. Et l'autre, par contre, je vois pas. Il a dit aux abords de la ville. Mais je... Genre, il est pas sur la carte, tellement qu'il est loin. Ah, il doit être là, du coup. Vu que là, il y a des puits, mais il y a rien. Ok. Si vous tenez vraiment à sauver votre fille, vous devez d'abord assembler les quatre bocaux. Comme vous m'êtes sympathique, j'ai marqué tous ces lieux sur votre carte. Ce village recèle encore quelques trésors. Je suis sûr qu'ils vous seront tous d'une grande utilité. Pourquoi vous faites tout ça ? Disons que j'ai à cœur d'offrir un service de qualité à mes clients. N'hésitez pas à revenir me voir. Donc là, du coup, vu que j'ai la clé, à mon avis, là, on va aller voir la poupée à la con. Après, quand on aura vu la poupée, elle va nous donner une autre partie de clé, plus le bocaux que je vais foutre là. On va aller là-bas voir Moro. Et ensuite, on va aller je sais pas où pour l'autre con. Bon, bah écoute. Here we go. Tac. Ah, on est dans le bail des poupées, effectivement. Pour le coup, moi, les poupées, c'est pas genre le délire qui me fait non plus délirer. Après, le screamer de poupées, ça va me faire peur pareil, de toute façon. Ça y a pas de doute. Donc, à gauche. Oh, ce plan, mon gars, digne d'un jeu. Sur le chemin du retour, le pont il va péter. Waouh! Quoi? Ah, c'est ma meuf. Ethan, viens avec moi. J'ai quelque chose à te dire. Mia? Mais c'est sûr, c'est ma meuf, la Miranda. En plus, le nom il commence pareil. Mira, Miranda, tu vois, c'est. Il y a un délire. Droite ou. Non, ben tout droit. Rose a l'air différente. Ethan, tu dois faire quelque chose. Ouais, ben je fais ça depuis tout à l'heure. C'est quoi ce bordel ? Nos cinquième épisode, c'est pas pour tout rien. Tout le monde m'abandonne. Même Rose. Je ne veux pas être seule. C'est pas réel. Wow. Nickel ça. Beneviento. Beneviento. Beneviento, c'est pas le gars avec sa masse, justement. Il est mort à 9 ans ou c'est quoi le délire? Donc c'est là que ça commence. Faut une clé. Ah putain, intelligent, abandonne tes souvenirs. Et à mon avis, il parle de la photo de famille. Oh, c'est vraiment pas con. Comme quoi, fallait bien la garder cette photo. Imagine, tu la vends. Je sais pas si c'est possible de la vendre. Ok, ambiance Bresson.
Oh là là. Viens avec moi, Ethan. Bon, si la lumière elle s'éteint et d'un coup je me retourne, bam, y a la poupée, je vais péter un câble. Je vais câbler. Attends, on est montant au-delà de la tour Eiffel ou c'est comment là? Ah! Oh putain! Ils sont gavés quand même, hein, les joueurs là. Enfin, les joueurs. Pff, ceux qui ont produit le jeu. À mon avis, tu vois, le côté on cache le ciel et tout ça, je pense que ça leur a gagné beaucoup de temps. Ça, à mon avis, ça c'est des astuces pour camoufler un peu les défauts des jeux. Mais en tout cas, là, on voit beaucoup plus de détails. Maison Benevento. Ah, mais non, ça doit être la poupée du coup. Qu'à 9 ans. Oh, j'en sais rien. On fait chier. Bon, allez, on est parti. Bouh. Oula. Oh là là. Oh les ta... Oh là là. Aïe 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 aïe. Putain. Puis elle est pas très grande la maison hein. Donc à mon avis ça va être rapide hein, si c'est ici que ça se passe hein. Oh là là. Je suis en train de transpirer. Mais c'est sûr que c'est ici. Encore un ascenseur. Mais et combien d'étages? Oh non, c'est 15. Oh le bâtard. Il y a plein d'étages sous la maison. Oh l'enfoiré. Ah là là, il y a pas un bruit, il y a pas de musique, hein. Putain. Oh là là. Bon. Bien mignon, hein. Ça, tu es en train de me faire flipper sur la durée, là. Ah. Bon, c'est là que ça commence, du coup. Et salut. Bon allez. Bye. Je t'attendais depuis si longtemps. Je ferai une bien meilleure vie que Rose. Dis, tu veux pas rester avec moi pour toujours? Non. Quoi? Oui, évidemment. Où est mon arme? Oh non. C'est du corps à corps leur bordel là. Examinez la bouche. Je peux pas sortir? Bah oui. Alors. Ah, c'est le corps de ma meuf. Parfait. Moi en mode robot. Qu'est-ce que tu me veux? Ce mannequin, c'est Mia? Non, t'inquiète. Pourquoi faut interagir partout là? Oh, clé en argent, ok, c'est parfait. Ok, ça marche. Qu'est-ce que c'est que ça? Bouh. Elle va pas me mordre. Faut un outil. Prothèse de hanche. Je retire la baille.
C'est quand même des tarés à aller aussi loin quand même. Est-ce que je peux prendre un truc? Ah, son œil! Peut-être prendre un outil qui est autre part. Ouais, un truc que j'ai pas fait. Ah bah voilà, fallait juste mettre la clé ici. Faire. Ok. Alliance. Et maintenant. Ah ça y est les gars, j'ai trouvé ce qu'en fait sur l'alliance, bah je suis con. Parce qu'en fait, faut trouver un code et puis du coup, là il y a un code. Enfin, putain, je sais pas comment on fait pour le regarder. Ah voilà. Il y a un code sur l'alliance. Il doit être l'année où on s'est marié. 05 29 11. Du coup, vu que là, depuis tout à l'heure, il y a un code qui sert à rien. Du coup, en théorie, ben là, faut mettre le code. J'ai dit 15 ou 11. Je suis un débile. Et du coup, faudrait choper une sorte de truc ciseaux ou quoi pour couper le bordage. Bref, non, bah ouais, non, non, mais du coup, oui, allez, fais-moi peur, connasse. Qu'est-ce que ça fait là? Ah bah oui, bah là, faut mettre la petite truc chelou, là. Bah oui. Du coup, ça. Du quoi? Je veux dire. Ah oui, d'accord, c'est que je vois, il y a des gravures, là. C'est pas ça? Si, ça a l'air. Ok, nif. Une pincette. Donc ça, c'est l'outil pour prendre le truc dans sa gueule. Oui, oui, c'est bon, allez, hop, on a compris. Même pas, j'ai eu peur, même pas. Du coup, l'attaque. Et là, il nous faut notre pincette. On prend le truc. Qu'est-ce que c'est? Un morceau de pellicule. Je crois que l'autre côté, hein. Je ne peux pas le dire à Ethan. D'où? Quoi? Ah d'accord, ça marche. Truc de pellicule. Où est-ce qu'on peut voir un truc? Ah si, mais attends, la salle de cinéma, il y en avait une là dans un bureau. C'est... Faut retourner au début. Ouah! Putain, il y avait un truc là. Si, bah ça doit être là en plus. C'est où le début? Là, bah voilà. Ça doit être là du coup. Ouais, bah nif. C'était ça. Hein? Et peut-être une note à côté qui me dit. Ah, bah voilà. Je suis un connard. Mais putain, mais faut que j'apprenne à regarder les trucs à lire là. Le meilleur ami de Rose, donc Doudou, elle aime beaucoup cette histoire, livre. Ce qui compte le plus pour nous, ça doit être le gosse. Un cadeau de mariage offert par grand-mère, la bague. La preuve de l'amour éternel d'Ethan pour... Ok, ça marche. Non, attends. Ici. Ça, cadeau de grand-mère. Et là, on est bon, du coup, normalement. Quoi ? C'est soit la bague. Bah attends, je vais essayer ça. Si c'est pas ça, bah... Ah ok, bah je ferme ma gueule.
Ah non, c'est que ça parlait de l'objet, pas du mariage. Moi, on a rien entendu, on a rien vu. Allez hop, on passe. Bon, par contre, c'est quoi ce truc glauque là? Un puits, ok, super, j'adore. Merci. Ça fait plaise. Ah. Nif. Y'a pas une chèvre là quelque part? Non? Ok, on va ramper, c'est magnifique. Oh! Ciseaux, j'aime bien. Ciseaux, là on rampe en bas. Ben, on peut pas aller là. Ah ben si, justement. Tac, puis on est bon. Allez, fais-moi peur, connasse. Mia ? Je ne voulais pas te perdre à nouveau. Je ne voulais pas détruire notre famille. Mia, de quoi tu parles ? Je vous aime tous les deux. Tellement fort. Je n'ai pas eu le choix. Il fallait que je le fasse. Ah, ok. Oh. Oh, tes conneries, toi. Oui, d'accord, allez hop, me saoule pas. Ah, bah, c'est ça, c'est le truc de la porte, ça. Ouais, plus rien à prendre. Et là, on met le petit poinçon. Il faut mettre. Ah oui, c'est par rapport à ses yeux. Non? Ok. Bon. Je fais un peu au hasard. Chance. Putain, on voit rien. Puis là, je vis en mode bois. Hein. Là, c'est... Tout ce qu'il faut pour te faire bader. Allez, le puits, on y va, let's go. Bon, bah non, descends pas, j'insiste. Clé du tableau électrique. Ok, je veux bien. Et c'est tout. Ok, magnifique. Évidemment. Oui, bah allez, hop. Le truc chelou là. Oh là là. Bah oui. Oh, c'est chaud. Ah, il y a du sang. Oh là là. Vas-y, bourrin. Les gars, accrochez vos couilles. Bah les couilles. Ok. J'ai plus de couilles. Ok. Je bade ma grand-mère. Et en plus, c'est pas comme si on voyait rien. J'espère qu'il court pas par contre. Hein. Tu passes par où? Oh, c'est dégueulasse. Je peux où passer, hein. Je peux où aller ta porte électrique de merde. Hein. Là, je vais n'importe où. Hein. Oh, c'est ça? Oh, je suis un génie. Allez! Dégage! Hein? Relief d'un enfant? Quoi? Quoi? Enfant fusible? Il a arrêté de me suivre, l'enfant, donc c'est bien ça.
Ah, c'est pour mettre l'enfant là. Parfait. Oh là là, toujours plus glauque. Ah, du coup, faut un fusible. Faut que je trouve un fusible. Ok. Se cacher. Ok, fusible. Oh non. Sauf que là, le gosse. Il va être là. Bye. C'est sûr. Et écoutez, se cacher, ça sert à ça. On se barre. Tac, 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 tac. Là. C'est pas fini, c'est pas fini. Non. Non. Dans le bâtard. Allez. Oh là là, casse-toi de là. Oh là. En fait, j'ai fait tout ça pour quoi d'ailleurs ? Je suis descendu et tout, c'est bien, mais pourquoi? De base, c'est l'eau chinoise là que je veux. Enfin, un peu l'eau chinoise, mais la poupée à la con là que je veux. Pourquoi je remonte? Oula. Délirant. Ne pars pas. Je te l'interdis. Ah, toujours en vie, hein? Est-ce que tu te fais posséder par quelqu'un d'au-dessus? Tu vois, limite, elle me fait pas hyper peur, elle. Donc, elle est un peu délirante, tu sais, en mode gamin, tu vois, ça fait pas. Faut que je la trouve. Oh, je vais bien, moi. Elle doit être là, non? Ça, je comprends pas, c'est à dire quoi? J'ai fait toute la maison là. Je vais encore aller sur YouTube ou quoi? Oh, elle est là. J'ai jamais fait ça en fait. J'ai pas fait cette pièce. Ouais, mais t'es teubé, tu me fais même pas peur. T'es mignonne. Quoi, faut que je te recherche autre part. Comme ça, vu que je connais la maison, j'ai fait 40 000 fois avant d'essayer de trouver enfin cette pièce-là.
à me trouver. Rose aussi, tu lui fais ça? Bof, je suis pas taré non plus. Maintenant, c'est pas impossible que tu sois là-bas maintenant. Voilà, logique, j'aurais fait pareil. Tu n'arriveras jamais à sortir d'ici. Montre quand tu crèves sinon. Par contre, elle a pas eu besoin de dague, elle, là. Juste défoncer avec des ciseaux. Ok. C'est fini. Bizarre. Mia. Oh. Je vais arranger les choses. Ah, voilà. Ma petite clé de bébé. Hein? Ah, et en plus, voilà. Comme j'ai prédit. Il est temps de quitter cet endroit. Ouais, nickel. Interagir. Pièce combinée. Hop là, c'est la petite clé. C'est tout ça. Mon petit truc. Là, j'ai deux. Quoi du coup? Leg. Ah, les jambes. Oh, les bâtards. Allez, on va mettre ça. Bon, bah, c'était sympathique. Pour l'instant, les deux boss, j'ai bien aimé. Donc certes, c'est un peu plus chiant que la poupée parce que t'as pas de flingue, tu fais juste X et c'est fini. C'est par ici qu'il faut aller, ouais. Voilà quoi. Voilà, on va tranquillement aller voir le duc. Oh. Ah, je vais prendre maintenant. Tac. Putain, c'est con, j'aurais peut-être pu. Je sais pas s'ils avaient une silhouette en mode cristal comme j'avais eu avec la meuf pour la revendre après. Allez, le petit duc. Tac, on va poser notre truc. Bon, écoutez, on va se quitter là-dessus. Prochain épisode, on va enchaîner avec le Moro, il me semble. On va ouvrir cette porte. Donc on se dit à tout de suite pour l'épisode 6, il me semble.